S'il y en a qui veulent déjà écrire, oui, dans le clavardage, c'est ça. Donc, bonjour Sophie, Suzanne, hey, bonjour Rebecca, Bérubé Pelletier, qui vient de passer une commande, ça fait pas trop longtemps, puis qui m'a aussi donné des points de vente. Donc, de quel endroit vous êtes? J'aimerais ça que vous nous écriviez ça. De Trois-Rivières, oui, on est des Catherine, deux Catherine. Il y a Deux juste hey, c'est vrai, deux veilleux en plus. Puis, on va vous en apprendre une aussi, des voisines de rue, ben de veilleux. deux, trois rues à peu près, hein, qu'on a découvert ça, ouais. Donc, on est toutes les deux de Saint-Georges-de-Beauce, puis on est à deux rues à peu près la même hauteur en plus. Fait que, donc, on a Victoriaville, Ascot Corner, Île-d'Orléans, bonjour Louise, Montréal, Pointe-aux-Trembles, Saint-Elzéar, Sorel-Tracy, Saint-Nicolas. Magog, hey, j'ai des amis. Oh, c'est tellement beau, quoi, Magog. J'adore aller au lac Memfre-Magog, Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu, vous savez, on a gens qui ont des points de vente, qui ont nos produits à Saint-Jean-sur-Richelieu. Une boutique Keto, entre autres, puis l'autre, Tire-toi une bûche, une boulangerie, si vous voulez retrouver des produits là-bas. Si vous êtes de l'Outaouais, oui, c'est le fun, ça. Si vous avez des idées de points de vente ou ce que vous aimeriez que nos produits se retrouvent près de chez vous, que vous connaissez des belles petites épiceries fines ou des boulangeries, par exemple, des cafés, je vois ça de plus en plus. Je vais avoir deux nouveaux points de vente la semaine prochaine à vous annoncer, dont un, entre autres, que c'est justement, c'est des cafés, un bel endroit pour aller prendre une petite grignotine maison, un bon café. En même temps, il y a un petit coin épicerie fine. Donc, si vous avez des suggestions comme ça va nous faire plaisir. Des points de vente à Québec, oui, on en a. Il y en a qui étaient fermés, malheureusement. Hein. Ça a été ça un petit peu notre année 2020, là, qui était difficile au niveau des points de vente. On a développé plusieurs points de vente, c'était notre objectif, mais on a fait plus de ventes Internet, puis on est rendu dans les webinaires, hein, nous autres aussi, dans les lives. Je vous présente, je suis avec Catherine Veilleux, pareil comme moi. Moi, je suis Catherine Veilleux d'Olive et Gourmandise. Catherine est là aujourd'hui pour nous faire des belles recettes. Elle va nous parler d'elle. Ça sera pas long, quand je vais lui laisser la parole. J'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y en a qui connaissent les produits Olive et Gourmandise? Les avez-vous essayés? Oui, Rebecca qui les a essayés. Pour d'autres, vous allez voir c'est quoi les produits Olive et Gourmandise, nos huiles d'olive, nos vinaigres balsamiques, puis aussi Marie-Claude, pas encore. Oh, ben tu vas faire des belles découvertes, franchement là, c'est vraiment facile à cuisiner, c'est des bonnes saveurs. Tu sais, ici au Québec là, on n'a pas notre basilic toujours frais. Une bonne huile au basilic là, c'est tellement bon dans nos recettes. Donc, c'est super intéressant. Puis, on va avoir aussi, ben, pour ceux qui n'ont pas commandé encore et même ceux qui veulent répéter pour certains produits, j'ai créé un beau code promo pour Catherine, hein, parce que Catherine, c'est Catherine Roxane Veilleux. C'est ça, hein? Tu portes les Oui. deux prénoms. Donc, Rox 10, qui va vous donner la possibilité de commander sur le site de oliveetgourmandise.com, les deux mots au pluriel, en inscrivant à la fin, à côté de la case, là, c'est marqué code promo, à côté, vous avez un code d'entrée, entrée ROX 10, puis vous allez avoir 10% sur toute votre commande. Donc, Catherine Roxane, toi, tu es dans le domaine culinaire, hein? Tu écris des belles Exactement. recettes. Parle-moi Oui. de toi un peu, tu fais ça depuis combien de temps? Ça va faire 11 ans cet été. OK? 11 ans oui, que je suis à temps plein dans mon entreprise. Puis ça va faire 7 ans que mon mari s'est joint aussi à l'entreprise. Donc, on fait ça à temps plein, vraiment, tous les deux. Moi, je suis la cuisinière, puis lui, c'est plus le rat de l'informatique en arrière de tout ça. Donc, OK. on complète super bien. Puis c'est ça, dans le fond, c'est juste depuis 2019 qu'on a commencé à produire nos propres magazines de recettes qui s'appellent Roxane Cuisine. En fait, j'en avais amené. Là, je les trouve. Ah oui. J'en trouve plus. Donc, ça, c'est notre petit nouveau, celui de mai, qui est simplement végé ou presque. Donc, que vous soyez végétarien ou pas. C'est normal, j'attends de l'écho. Ouais, moi aussi, j'ai un petit écho. Ouais, j'espère que le son est bon pour les participants, par exemple, là, mais ouais.
Mais c'est ça, ça fait depuis 2019 qu'on fait des magazines. Ça, c'est notre 8e qui va être en kiosque le 13 mai prochain. Mais pour ceux et celles qui sont ici aujourd'hui avec nous dans le webinaire, j'en ai parlé tantôt avec ta belle-fille. Oui. Si ça vous intéresse, parce que c'est ça, il est en kiosque, il va être disponible sur un kiosque et sur notre boutique seulement le 13 mai. Donc, la semaine prochaine, jeudi prochain, si je ne me trompe pas. Mais pour ceux et celles qui sont ici, puis ça vous intéresserait, je vais vous écrire mon email dans la section commentaires ici avec vous. Puis vous avez juste à m'écrire en privé, puis on va vous donner un petit accès privilège primeur juste pour vous qui vous êtes abonnés, inscrits à ce webinaire-là. Ah, c'est gentil! Merci beaucoup! Parce que moi, je suis très patiente dans la vie, puis j'ai des clients qui ne sont pas très patients non plus de l'avoir. Fait que je me suis dit, je vais faire un petit primeur avec toi aujourd'hui, Catherine. Ah, c'est gentil, merci. C'est le fun, des belles collaborations comme ça. Hein? Ouais. Puis aussi, on en donne, hein? On fait trois tirages aujourd'hui, hein? C'est notre juge, là. C'est ma fille Sabrina qui est en arrière de l'écran, puis qui ramasse tous vos noms, qui est en train d'inscrire ça, puis de mettre ça dans un chapeau. elle va faire un tirage à la fin du webinaire, puis elle va se présenter à l'écran tantôt, là, puis elle va nous faire ça pour que Exactement. Ce soit légal. Donc, ça va être la firme Veilleux Veilleux, puis elle sonne Paris. Veilleux Veilleux Paris. C'est ça. Mais ça fait 10 ans, puis ça a commencé vraiment, dans notre cas, moi, avant, j'ai tout à fait été passionnée de la cuisine, de la bouffe, puis aussi de la perte de poids, parce que quand j'étais adolescente, c'est ça, j'étais en obésité, je pesais 217 livres. Oh. J'avais des cuisses qui se frottaient pas pire. Puis, c'est ça, suite à des changements alimentaires, j'ai perdu du poids. Puis, c'est ça, en 2010, j'ai décidé de juste commencer à partager des petits trucs super sur un blog, vraiment très basique. Puis, de fil en aiguille, ça l'a vraiment grossi. C'est vraiment après quelques années qu'on a décidé de se lancer à 100% dans notre entreprise là-dessus. Donc, mes programmes, oui, ça regorge de recettes santé, de recettes plus nourrissantes, mais aussi des recettes qui vont permettre de la perte de poids autant chez les jeunes femmes que chez les femmes ménopausées, que chez les femmes qui ont fait tous les régimes inimaginables dans leur vie puis qui ont fait le yo-yo toute leur vie. Ça marche vraiment super bien. Là, ça booste une belle perte de poids, puis c'est des résultats sains. Puis les femmes que j'ai, ils savent, ils mangent à leur faim. C'est pas un régime, on mange de tout. On mange des pâtes, on mange du pain, on cuisine aussi des gâteaux, des collations santé, fait qu'il y a vraiment tout là-dedans. Ah, c'est bien, oui, c'est vrai que tes recettes sont belles, sont appétissantes, hein? Puis moi aussi, c'est vraiment, je prends la balle au bon dans mon entreprise, c'était important ça pour moi aussi. Les aliments santé, tu sais, mon huile d'olive, mon vinaigre balsamique, oui, il y a des saveurs, puis les saveurs, c'est une saveur naturelle, puis après, c'est fini là, tu sais, la liste d'ingrédients est pas longue. Le vinaigre balsamique, ça commence, c'est le moût de raisin, donc c'est l'ingrédient principal. Fait que oui, c'est bon de bien manger, c'est agréable d'avoir des bonnes saveurs, tout en mangeant des ingrédients sains, puis, hein, parce que c'est ça, des fois, quand on mange pas à sa faim ou rassasié, ou que ça n'a pas été assez savoureux, c'est là, des fois, qu'on fait le petit pic assiette, puis qu'on va dans la boîte de biscuits. Exactement, exactement. C'est manger une salade, on pense souvent à perdre de poids, t'as égal à une salade plate, c'est une laitue, puis des tomates, puis des oignons rouges, puis c'est tout, là, mais... Avec tes produits, ça avait vraiment tellement rehaussé, je trouve, là, c'est fou, là, c'est incroyable. Moi, j'ai vraiment un armoire réservé à tes produits, là, je l'ai montré en live, je pense, il y a 2 semaines, le monde est parti à rire. J'ai vraiment une section « Aller des gourmandises » dans ma cuisine. Ah, c'est bien. Ouais, oui, puis c'est beau, c'est ça que j'aime de quand j'ai des invités comme ça. C'est pour ça que je voulais ça, je voulais pas être juste moi, parce que je trouve assez que les gens développent, hein, à plus cuisiner avec les produits, ils développent vraiment des trucs puis des idées là inimaginables, là, comment ça peut être intéressant, puis comme tu dis, comment qu'on peut rendre ça savoureux, autant pour les yeux qu'au goût, parce que hein, on voit les photos que tu nous envoies dans la section qu'on t'a réservée, hein, parce que t'as une belle section dans nos collaborateurs sur notre site internet, puis tu sais, une belle salade, mais tu sais, c'est ça, tu regardes avec les yeux, puis on mange avec les yeux une bonne partie, puis tu sais, c'est vraiment là, très, très appétissant. Puis t'as une belle famille, t'as 3 beaux petits bonhommes qui est en santé et qui bougent.
C'est toi qui le dis. Oui, c'est bon. Ça. Non, dans l'action, j'ai trois enfants de 5 ans et moins, trois garçons. Ah, ils ont 5 ans et moins? Okay. Oui, mon plus vieux 5 ans, mon deuxième va avoir 4 ans en juin, puis mon bébé va avoir 2 ans au mois de juin. Fait que oui, il y a de l'action à la maison. Ah, c'est bien. Ah oui, mais est-ce qu'ils mangent, toi, tu leur apprends à manger de tout, puis oui. Ça va bien. On n'a pas trop le choix, tu sais, c'est mes testeux. OK. À la maison. Ah, c'est bien. On mange de tout, là. Je vois une question de Jocelyne. Comment se servir des huiles du vinaigre balsamique? Vous savez, habituellement, c'est un tiers de balsamique pour deux tiers d'huile quand on fait une recette. On pourrait y aller une demi, mais disons que habituellement, on met un tiers de balsamique puis deux tiers d'huile parce que c'est quand même assez goûteux, les huiles, les balsamiques, pardon. Mais parfois, on peut juste mettre un peu de balsamique puis presque pas d'huile, ou l'inverse aussi, là. Tu sais, on peut prendre herbe de Toscane, sans trop la nommer parce qu'elle est déjà la plus vendue, herbe de Toscane. Elle a quasiment pas besoin de se faire vanter, celle-là, là. Sa publicité se fait tout seul. Donc, elle est bonne pour les pâtes, elle est bonne pour partir des légumes, elle est bonne dans tout, sur la pizza. Moi, je l'aime sur la pizza, les focaccia, des choses comme ça, là. Elle est très, très savoureuse. Puis, c'est ça. Quand on veut la mélanger avec un balsamique, je vous dirais qu'on a mis des idées, nous autres, sur notre site Internet. Quand tu regardes, on regarde le produit, là, il y a toujours une suggestion de mariage qui est mise avec. Donc, un tiers de balsamique, deux tiers d'huile, ça vous fait votre vinaigrette pour n'importe quelle salade après ça. Puis aussi, toute vinaigrette fait une bonne marinade. Donc, on met ça dans un sac Ziploc, puis on décide selon la saveur, puis selon l'intensité. Des fois, c'est un peu comme le monde des vins. Là, c'est pour ça que je tombe en amour avec l'huile d'olive. C'est la même chose que le monde des vins. Donc, on va décider si on met un morceau de poulet, un morceau de poisson, ou bien un morceau, un steak, là, dans le fond, là, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, moi, je te laisserai commencer pour que tu nous présentes tes recettes, tes salades. Ben, comme tu le sais, moi, quand je fais mes pop-up live sur ma page Facebook, Catherine Roxane Veilleux, c'est des pop-up live. Fait que, sont live. OK! C'est ça que le monde aime, je pense, c'est la spontanéité, puis, tu sais, ça y va ou t'ose. Mais, avec les produits que j'ai failli, en fait, manquer en panique tantôt, j'ai décidé de faire deux belles salade dont, pour commencer, on va faire une salade de poulet mandarine asiatique. Donc, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est asiatique. Toutes les mets de ça, je trouve tellement ça va chercher des parfums. Donc, on va commencer par celle-là. Et la deuxième salade, ça va être une salade de pâte froide italienne. Donc, il va y avoir ici du salami, bocconcini, du basilic, huile de pesto, du parmesan. Ça va être frais. Donc, deux belles salades autant. Il va faire plus chaud, là, visiblement. Aujourd'hui, c'est pas la journée de c'est pas la super journée, mais quand il va faire plus chaud en pique-nique, en lunch pour le travail, au souper. Moi, ça va être mon souper à soir, puis j'ai bien hâte de souper. Donc, vraiment des recettes qu'on peut vraiment mettre à nos sauces. Ouais, j'ai quelqu'un qui me posait la question. Le tofu, bien sûr que c'est super bon pour mariner le tofu, là. On pourrait prendre seulement un balsamique, par exemple, expresso, on marinerait le tofu. Herbe italienne, hein, très, très bon aussi si vous cherchez un balsamique qui est non sucré. Herbe italienne, il est avec du thym, du romarin. C'est extraordinaire comment ça marine bien une viande. Puis ça serait excellent aussi avec le tofu. Je l'ai fait avec l'huile de pesto parce que tu sais que je l'aime beaucoup. Oui. La bouteille était presque vide tantôt. Moi, je suis pas mal la seule à aimer le tofu à la maison. Les enfants, ça dépend, puis il m'arrive en tout cas d'autres choses, mais j'ai rien fait un sauté de tofu et légumes dans de l'huile de pesto. C'était débile. C'était vraiment très, très bon. C'est simple. Ça goûte vraiment comme le pesto, sans vraiment avoir tous les ingrédients dedans. Là, vraiment, juste l'huile, là, ça goûte le pesto, ça sent le pesto, ça sent bon. Fait que moi, vraiment, là, avec le tofu, là, ça a été winner avec moi-même. Ah, c'est bien. Le pesto, je pourrais ajouter, parce qu'on n'en fait pas la publicité souvent, pour dire que le pesto, l'huile au pesto, il est vegan. Donc, les gens, autant qu'ils ne voudraient pas consommer, par exemple, de produits laitiers, ou bien qui ont des intolérances aux produits laitiers, il n'y a pas de produits laitiers à l'intérieur. Et également, bien, il n'y a pas de pignon de pain, il n'y a pas de noix, c'est un arôme naturel. Donc, également pour les gens qui auraient des allergies, bien, il n'y en a pas au niveau du pesto.
De l'huile au pesto. Parce que la semaine passée, je l'avais utilisé, ton huile au pesto, pour mon live popote. Puis j'avais eu des questions justement là-dessus. Est-ce que c'est sans lactose? Est-ce que c'est vegan? Ouais. Mais c'est bon de savoir que je vais pouvoir répondre la prochaine fois. L'huile au beurre aussi, des fois en passant, là, tu sais, des gens, ils vont avoir, ils vont être intolérants au lactose, ils prendront pas de lait. Moi, je suis intolérante au lactose. Fait que l'huile au beurre, là, remplace vraiment le beurre avec le popcorn pour partir nos œufs le matin. Moi, je prends mon huile au beurre. Ah, c'est popcorn. Ouais, délicieux. Je me... Ouais. Je te laisse aller. Ouais, vous êtes prêtes, je vais dire mesdames, parce que là, je vois juste des noms de femmes depuis tantôt. S'il y a des hommes, soyez pas offusqués. Je vais juste remettre mon écran en grand. OK. C'est bon. Moi qui va. Okay. Moi, je vais être là, mais je vais te laisser. J'essaie là, d'agrandir. Excusez, j'ai mal fait les choses, mais je vais te mettre toi là en front. Là. Fait que pour la salade, je vous le dis, là, moi, je la cuisine vraiment en live avec vous. Donc, en même temps, je me prends des notes pour pouvoir après le webinaire, de pouvoir partager la recette sur roxanecuisine.com, qui est mon site web. Vous pouvez retrouver des recettes gratuites. Vous pouvez retrouver nos magazines également et là. Donc, c'est pour ça que je prends des notes en même temps. Fait que si vous me voyez écrire, soyez pas surprise. Parce qu'on la cuisine vraiment en live aujourd'hui. Donc, on va commencer avec la salade, comme je vous disais, asiatique au poulet. Vous allez voir, c'est des ingrédients qui sont très simples. Ça va être une recette super rapide aussi à faire. Donc, ici, pour commencer, j'ai des bébés épinards. Là, je vais juste descendre mon écran, vous puissiez bien voir, OK? Mon mode, je vais essayer de le mettre le plus proche possible. Cette recette-là, ça va être pour deux personnes, donc deux portions. Puis moi, je suis assez généreuse dans la vie. Donc, on va commencer avec un beau 3 tasses de bébé épinard. 3 tasses, tout simplement, ici. Si vous me voyez faire des dégâts, vouloir ramasser ma cuisine, c'est normal, je suis même dans. Et là, je vais juste me prendre mes notes en même temps. Donc, on a dit 3 tasses de bébé épinard. Ici, j'ai 100 g de poulet qui a déjà été cuit. Donc, ça se vend déjà en passant. Si jamais vous êtes plus pressé, ça se vend déjà comme ça à l'épicerie, vraiment dans la section des viandes et des volailles. Sinon, vous prenez un reste de poitrine, un reste de poulet rôti. Ça pourrait être un reste de porc également. Ça pourrait être des crevettes, ça pourrait être du tofu. Ça pourrait être des pois chiches, là. Vraiment, il y a plein de possibilités pour changer la protéine ici. Mais ici, on est fan de poulet. Donc, j'ai été pour cette option-là. Donc, on a ici, j'ai dit 200 g, pardon, de poulet. Ensuite, j'ai ici une carotte que j'ai râpée assez finement. Donc, juste pour ajouter une belle couleur, un petit croquant, de la fraîcheur. Je voulais également, je vais juste prendre des notes, parce que pour ceux qui me suivent sur Facebook et qui sont ici, vous savez que j'ai une mémoire de oiseau. Je ne sais pas, il y en a-t-il qui sont de Roxane Cuisine ici pour une première fois? Vous me le direz en commentaire. Je vais voir c'est qui des vrais qui me suivent. Par la suite, pour ajouter encore plus de fraîcheur et de croquant, je vais ajouter à peu près un demi poivron rouge que j'ai coupé en petits dés. Donc, à peu près un demi poivron rouge. J'ai ici, là, je vous le montre vraiment en même temps. Là. Je vais juste me prendre des notes. Ça. Par la suite, j'ai ici des amandes effilées qui sont rôties. On pourrait prendre les neutres qui ne sont pas rôties, mais je trouve que quand ils sont rôties, ça donne beaucoup plus de saveur. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est acheter des amandes effilées, nature, qui les retire à feu doux dans une poêle. On pourrait même mettre un petit filet d'huile là, si vous le désirez. Ou vraiment, ça s'achète comme ça en épicerie, principalement dans la section des fruits et légumes. Donc, vraiment, au bout des rangées, vous allez voir les croutons César, par exemple, de ce monde. C'est vraiment là que je les trouve. Mais comme je vous dis, vous pouvez y aller avec des amandes nature effilées ou les faire retirer à la maison, si vous préférez. Donc, pour ça, je vais mettre un quart de tasse d'amandes effilées. J'ai aussi, la première fois que je jette ça, OK? J'ai acheté ça tout à l'heure à l'épicerie. C'est la première fois que j'ai acheté de la mandarine fraîche, OK? Fraîche, parce que ça existe en conserve. Et j'ai voulu tester pour la recette en le pelant. Mais il se trouve que les morceaux sont terriblement gros.
Donc, je vais garder, conserver cette belle mandarine comme collation pour les enfants en soirée. Et j'avais opté ici pour les mandarines en conserve. Donc, on se trouve facilement ou que les ananas en conserve, les pêches en conserve, les salades de fruits. Donc, ça se trouve vraiment très, très facilement. Donc, j'ai ici des mandarines en conserve. Une conserve, je l'ai plus, mais c'est vraiment pas gros, là. Je vais la calculer avec vous pour être sûr de vous donner les bons ingrédients. Donc, on va mettre ici une belle tasse de tasse de mandarines. Puis on va réajuster à la fin, là, comme je fais souvent avec mes clientes, on cuisine puis on rectifie le tout à la fin s'il manque quelque chose à la recette. Je ne sais pas si j'ai des amatrices d'avocat. Dans Nancy, sérieux, c'est vraiment bon. Nancy a dit que c'est une mandarine sumo. Je me demande bien pourquoi elle porte ce nom-là. Je veux dire, elle est aussi grosse que ma tête. C'est vraiment énorme. Mais c'est vraiment bon. Tu as raison, Nancy, parce que j'y ai goûté. C'est vraiment bon, mais c'est vraiment des gros morceaux. Je vais vous montrer, là. Je l'ai mis en termes de collation pour la soirée des boys de mes enfants. Mais c'est vraiment énorme, OK? C'est plus gros que ma bouche. Fait que je me suis dit, bon, je vais prendre les mandarines en conserve pour aujourd'hui, mais c'est sûr qu'on va la savourer en fait. Par la suite, je ne sais pas s'il y en a qui sont des fans et amateurs des avocats. S'il y en a qui me suivent, vous le savez que j'aime beaucoup l'avocat, puis je trouve que ça va donner un beau crémeux à la recette aussi. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça que je vais l'utiliser pour la recette. Et ceux qui me suivent savent que j'ai eu une péripétie la semaine passée avec un couteau et un avocat. Mais heureusement, ça ne s'est pas terminé en bain de sang. Donc, j'ai un beau demi-avocat. Je vais mélanger les parts pour la seconde recette. Un demi-avocat que je vais simplement couper en deux. Allez-y avec un avocat qui n'est pas trop mûr, ni trop pommeux, mais vraiment qu'il soit assez ferme pour pas que ça vienne un peu, comment je pourrais dire ça? Je vais le dire en beau front, OK? Fouéré dans la salade. Donc, on met un demi-avocat en dés dans la salade. Je vais vous la remontrer, ça ne sera pas bien long. Simplement comme ça. Je ne trouve pas, Catherine, si tu as des questions. un demi-avocat. Je vous montre ça. Avec du sel, c'est une bonne idée, ça, Caro. Oui, je suis là. Je ris un peu là, de la beauceronne. Mais c'est drôle, hein, parce que le monde me dit beaucoup que j'ai un accent, mais tu sais, j'aime mieux vivre dans le déni, je pense. Je vais juste touiller pour commencer un peu ma salade. Puis par la suite, la seule chose qui va nous rester à faire, c'est la vinaigrette. Puis pour la vinaigrette, étant donné qu'ici, on a de la mandarine, j'ai décidé d'opter pour l'huile à l'orange sanguine. Je vais aussi y ajouter en petite parcimonie l'huile, le vinaigre balsamique, excusez-moi, à la tangerine. Je vais ajouter de la sauce soya, de l'ail, du gingembre. Un peu de miel, peut-être, c'est vraiment au feeling que je vais y aller et on va goûter à tout ça par la suite. Bon, je fais juste m'arrêter les doigts. Et on va commencer la vinaigrette ensemble. Donc, je lis vos commentaires en même temps, je ne suis pas habituée à cette plateforme-là, ça paraît-tu? Donc, un petit bol que j'avais ici à l'instant. J'ai ici une gousse d'ail que j'ai hachée, qu'on va mettre dans le petit plat. Une gousse d'ail haché. Je vais commencer avec un quart de cuillère à thé de gingembre parce que ça goûte quand même assez puissamment. Un quart de cuillère à thé de gingembre. Donc, je vais juste écrire ici. Un quart de gingembre. J'ai évidemment l'huile. Orange sanguine, j'ai dit tangerine tantôt, je me suis trompée avec le balsamique. Hein? Oh, ça sent tellement bon, ça sent la fraîcheur, ça n'a même pas de bon sens. On dirait quasiment que ça se boirait. Donc, j'ai commencé avec 2 cuillères à soupe d'huile à l'orange sanguine. Ça fait vraiment, je trouve, un soleil. On dirait, ah, c'est été, là, ça lance soleil. Quand j'ai parti mon entreprise en 2014, puis que je m'amusais, puis je faisais goûter des produits pour les faire connaître, là, ça a été là, mon coup de cœur pendant des années.
orange sanguine avec le balsamique à tangerine. C'est incroyable comment c'est bon. Ben, la première fois qu'on s'est vu, t'arrêtais-tu? Non, c'est quand? À l'année, je pourrais pas te dire, par exemple. Mais c'est où ton ancien point de vente, ton commerce, donc pour les jardins des sages, c'est là que tu m'avais fait une espèce de dégustation. Je me sentais comme dans un bar, mais version huile et balsamique. C'est lui-là aussi qui m'avait vraiment fait comme un wow. Là. Je me rappelle, j'avais resté vraiment... Ouais. Ah oui, c'était... Je pour rester poli, là, mais ouais. ouais, c'est vraiment bon. Ouais. Non, en fait, Marie-Claude, je suis en train de faire ma vinaigrette dans un petit bol à part, puis ensuite, je vais goûter. Puis si c'est à mon goût, après, je vais ajouter vraiment dans la salade pour éviter que la salade a cuit, si on veut. Oui, Geneviève, on peut mettre du gingembre frais, c'est juste que j'ai fait ma version un peu paresseuse, fait que j'y étais avec le gingembre qu'on ajoute à l'épicerie déjà haché. Donc, après avoir mis les deux cuillères à soupe d'huile, je vais mettre une cuillère à thé pour commencer de balsamique tangerine. Vous voyez, la bouteille est quand même déjà entamée. Ça aussi, là, ça sent le bonheur. Ça sent le bonheur. Donc, une cuillère à thé. Je vais continuer aussi parce que je veux vraiment quelque chose de plus asiatique. Donc, je vais y aller avec une cuillère à thé également de... Une cuillère à thé d'huile de sésame grillée. Une cuillère à thé. On va faire ça simple pour commencer, puis on rectifiera. Une cuillère à thé de sauce soya. Du poivre. Je ne mettrai pas de sel pour l'instant. À cause de la sauce soya, on ne veut pas que ce soit trop salé non plus. Donc, je vais mélanger tout le tout. On va goûter et on va rectifier après. Non, en fait, Jacqueline, on a mis 2 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère à thé de vinaigre balsamique, 1 cuillère à thé de, je l'écris en même temps que je vous dis, sauce soya, 1 cuillère à thé de l'huile de sésame et du poivre. J'avais sorti le miel des fois que, et je vais voir après y avoir goûté s'il manque quelque chose à la vinaigrette. Donc, je vais goûter. J'ai rajouté, je pense, du balsamique. Donc, j'en avais mis juste une cuillère à thé. Je vais en rajouter une seconde. Et j'ai envie d'ajouter tout de suite 1 cuillère à thé de miel. Pour venir vraiment amener une petite saveur aigre-douce à la vinaigrette. Je remélange. Et je goûte. À mon goût, à moi, là. Excusez-moi un peu quand je faisais. Je goûte puis je goûte et je savoure le moment. Donc, pour moi, c'est suffisant. Comme ça. Donc, il y a juste à verser le tout. Je vais vous montrer sur la caméra. À verser le tout sur la salade. Puis, qu'est-ce que j'aime, moi, des salades, c'est. C'est la vinaigrette, si vous voulez en avoir plus, vous pouvez doubler la recette sans problème. Mais moi, j'aime ça aussi goûter aux autres ingrédients de la recette. Donc, puis j'aime pas ça les salades trop mouillées en vinaigrette. Mais vraiment, si vous êtes vinaigreuse dans la vie, allez-y abondamment. Donc, je mélange. Je touille. Et je vais vous mettre ça dans un petit bol. Question de vous montrer une présentation. Pendant que tu fais ça, Catherine, j'ai quelqu'un qui a posé la question pour un point de vente en Beauce. Donc, il faut que je vous dise ma petite histoire. Donc, c'était mon rêve de partir une entreprise. J'avais des parents qui avaient leur entreprise, mon conjoint. Et moi, ce que je voulais, c'était d'avoir la mienne à mes couleurs, à moi, avec mes goûts à moi, parce que j'avais été dans des conférences où on nous disait souvent « partez votre entreprise selon votre passion ». Ma passion, c'était la bouffe, justement, de cuisiner. Je trouve que c'est rassembleur, les gens autour d'une table. J'adore découvrir des nouvelles saveurs. J'aime le temps que je passe dans la cuisine. Donc, lors de voyage, j'ai découvert la passion de l'huile d'olive. J'ai trouvé que c'est là que ça goûtait bon. C'est comme si...
c'est un produit du terroir, hein, donc c'est toujours différent d'un endroit à l'autre. C'est pareil comme les gens qui ont des cabanes à sucre dans nos paroisses, puis que la cabane va être la terre voisine, puis le sirop d'érable à la fin de l'année, là, à la fin du printemps, il goûtera pas le même, il sera pas tout à fait la même couleur, même si l'érablière est juste à côté. Donc, c'est la même chose pour l'huile d'olive. Je trouvais ça merveilleux que comme c'était bon. Puis après, bien, j'ai trouvé les huiles d'olive aromatisé. Fait que je suis tombée en amour avec ça et j'ai parti un magasin à Saint-Georges et quelques mois après à Lévis, qui était au grand marché public de Lévis face au Cosmos, au centre des congrès. Et en 2018, au lieu de renouveler mon bail, mais bon, j'en avais deux, j'ai décidé de cesser mes activités et d'aller vers le net. Donc, peut-être que je voyais un avenir. C'est sûr qu'il y avait un avenir vers ça. Oui, on entendait parler. Mais c'était aussi le fait que je voulais distribuer mes huiles et mes vinaigres balsamiques dans d'autres points de vente. Puis là, j'arrivais pas. Donc, j'ai géré deux magasins, les employés, les achats, parce que dans les magasins, c'était des épiceries fines. Donc, il y avait d'autres produits, beaucoup locaux. Hein, j'encourageais ça parce que je trouvais que les produits étaient bons. Des bons chocolats, des bonnes épices. Il y avait des pâtes maison. Tu sais, puis c'était une boutique cadeau aussi. On faisait des superbes paniers cadeaux. C'était le fun. Ouais. Fait que j'ai décidé de pas renouveler. Et de faire seulement de l'embouteillage, de vendre dans des points de vente et de vendre sur Internet. Fait que c'est ça que je fais depuis 2019. Mais ça a été, chaque expérience est bonne dans la vie aussi, hein, ça nous ouvre des portes et on apprend. Donc, ça a été plus facile pour moi de vendre dans des commerces mes produits parce que je connaissais leur clientèle. Je savais quelles questions qui allaient se faire poser. Et en même temps, ben, j'avais quand même parti ma vague, entre guillemets, tu sais, ma vague de produits, de mes huiles d'olive et des vinaigres balsamiques. J'avais déjà certaines personnes, une belle clientèle, très, très belle clientèle, dans la Beauce et à Lévis, qui connaissaient déjà mes produits. Fait que de les vendre dans d'autres points de vente, puis les vendre sur mon site Internet, bien, ça a été facilitant. Fait que c'est là où ce que je suis rendue. Puis j'ai ma fille qui est avec moi maintenant. Puis on continue ça. On a un beau succès. Puis on est bien contents. Puis on veut faire encore grandir l'entreprise parce que la belle jeunesse, c'est le fun. Ça a de la passion. Puis ça a des objectifs. Fait que je te laisse continuer de préparer ton beau plat. Ben là, ce que j'ai fait, c'est vraiment juste l'installer. Je suis capable. J'ai vraiment juste mis la salade, en fait, dans un bol. J'ai garni de graines de sésame et j'ai ici des petites bandelettes de wonton. Donc, je vais vous montrer le sac parce que c'est quelque chose que je sais que mes clientes aiment beaucoup, c'est de savoir à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Donc, ça, encore ici, c'est déjà tout fait. C'est vraiment facultatif. En passant, si vous n'avez pas, c'est pas grave, c'est que je trouve que ça donne un beau petit croquant. Donc, ça se trouve dans la section justement des vinaigrettes commerciales. Donc, c'est facilement retrouvable. Là, c'est vraiment, moi, j'aime ça d'ajouter des fois sur mes salades, dans mes pokéballs aussi, sur un tartare. Puis en plus, Catherine, elle a de super belles épices de tartare. Donc, en passant. Donc, c'est ça que je vais ajouter tout simplement sur ma salade ici pour faire vraiment une espèce d'asiatique fraîcheur avec le fruit, la mandarine, les légumes frais. Donc, c'est vraiment une belle salade d'été. Une salade pour recevoir aussi, quoique là, c'est un petit peu difficile de recevoir, mais je trouve ça beau. On présente ça, on peut faire des petits rouleaux de printemps à côté. Vraiment, ça fait une belle petite entrée, un beau petit plat. Moi, c'est mon genre totalement. Et je sais que mes clientes vont être contentes de cette recette-là. Donc, je vais juste vous la montrer d'un peu plus proche. Mais évidemment, comme à chaque live que je fais, généralement, là, c'est pas un live, c'est un webinaire. Mais à chaque live, par la suite, une fois que j'ai ramassé mon bordel en cuisine, je prends la photo et je la publie sur roxanecuisine.com. Mais je sais que Catherine aussi, tu vas sûrement la publier par la suite, j'imagine. Hein? Donc, j'essaie de vous la montrer, c'est difficile. Normalement, ouais, mais c'est beau, je vois bien. Donc, celle-là, ça va bien. Flipper l'ordi, je suis comme pas certaine que c'est une bonne idée. Mais flippe pas l'assiette non plus. Non plus. C'est notre première salade de salade asiatique poulet mandarine. Fait qu'il y a plein de choses, mais pas des choses compliquées. Puis, je vais y goûter tant qu'à y être, parce que moi, je fais ça en live. J'aime ça manger devant le monde, ça va. Ça a l'air super bon, puis rafraîchissant.
Franchement, là, merci beaucoup, Catherine. Tu as parlé de mes épices. Je vais mettre le lien, là. Ça va-tu fonctionner, ça? J'ai mis un petit lien ici. Oui. Donc, ben oui, j'en parle pas assez souvent. Hein. J'ai développé, je savais pas quoi faire dans le temps de cette belle situation pandémique. Donc, je voulais développer un nouveau produit. Puis, les huiles, les vinaigrettes, ça va bien ensemble, mais il me manquait tout le temps un petit quelque chose. Donc, c'était les épices. Fait que j'ai dit à Totipo, au lieu de toujours en acheter, je vais développer celles que j'aime, que je veux goûter avec mes huiles puis mes vinaigres. Donc, je vous ai mis un lien. Puis, j'ai des belles épices. J'ai sorti une belle ligne d'épices. Puis, on vient tout juste là, de sortir salade et vinaigrette. Très, très intéressant aussi. Ton saumon en érable. Oui, aussi, j'ai l'épice saumon en érable. Spaghetti, sur sa spag. Ouais, celui-là, par exemple, on va te donner une primeur, là. Une primeur. C'est, on l'élimine. Ah! Ouais. Vite, va t'en acheter. Oui, parce que c'est vraiment, on est plus dans la vague là des épices mélangées qui vont bien avec mes huiles et mes balsamiques et mes vinaigres balsamiques. Donc, je vous cacherai pas que épices à spaghetti est excellente, mais c'est pas vraiment celle qui sort le plus. Puis j'aime moi des produits qui sortent. Puis c'est pour ça des fois même que je fais des liquidations à travers mes produits, puis je garde qu'est-ce que j'offre, c'est vraiment tous des bons vendeurs. Okay. Fait que quand il y a quelque chose, tu sais, je laisse pas un petit qui traîne la patte là. Fait que mais t'imagines-tu juste, tu sais, moi j'en fais souvent, les enfants, les pâtes, on le sait que ça aime ça. Fait que je fais revenir la viande hachée, je mets de la sauce tomate, mais tu fais revenir ta viande hachée mettons dans une petite huile au basilic. Ouais. Et un peu avec tes épices, ça aurait été très bon là, mais pouet. Hey, ça sera d'autres. Ben, tu pourras prendre beefsteak si tu veux, là, bœuf. Ouais. Mais pas sauce à spaghetti là. Là, c'est la dernière chance de ceux et celles qui sont ici de se la procurer. Ouais, c'est ça, exactement. La première fois, j'ai un scoop en live, moi, c'est pas pire. Puis quand tu parlais des pâtes tantôt là, moi là, ça a été une passion ça aussi là. Ça a été de toujours réhydrater mes pâtes avec mon huile d'olive. Donc tu sais que j'ai goûte, je remets ça dans ma marmite parce que la marmite est chaude, ça va bien. Je le remets sur le feu, puis là je mets full d'huile d'olive. Là je vais tout le temps avec des thématiques. Tu sais comme là t'as fait avec de la mandarine, ben t'es allé chercher orange tangerine. Tu sais ça rehausse le goût. C'est un peu ça qu'il faut essayer, que j'essaie de développer les gens, dire hey. Tournez votre cerveau, là. Moi, tu sais, mon cerveau, il fait tout le temps ça, là. Il regarde, je lis une recette, là, puis il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose là-dedans, là, qui, oups, qu'est-ce que je vais prendre comme huile? Je regarde les ingrédients. Ah, oh, il y a de la coriandre dans ce chili-là. Hein? Mon épice, coriandre et oignon. Tu sais, c'est instantané. Fait que, c'est un peu ça, que je fais quand je fais des pâtes. Je fais des pâtes avec du saumon. Ben, j'ai réhydraté mes pâtes avec l'huile au citron. Ah ben oui, c'est vrai. Tu sais, une sauce au saumon, puis avec les pâtes avec qui goûtent le citron, ben c'est parfait. Fait que c'est ça, je m'amuse un peu avec ça. J'essaie de vous dire un peu ce qui se passe dans ma tête. Des fois, c'est pas tout le temps comprenable par les autres. Moi, des fois, je me réveille la nuit, puis je pense à des recettes, là, puis je me dis, ah, je pourrais faire ça la prochaine fois au live. Puis là, je me réveille, puis je me rappelle plus de mon idée. Bon, c'est ça quand on est, c'est ça qu'on est entrepreneur. Ouais, c'est ça. Mais je laisse nous présenter la deuxième recette. Oui, la deuxième recette, ça va être une salade de pâtes froides, style pas asiatique, mais style italienne. Donc, moi, j'aime ça les pâtes froides, c'est bon en lunch, c'est bon faire un pique-nique quand il va faire beau. Donc, j'y étais pour ça. Donc, ici, je vais commencer par mettre ça. Ici, j'ai des pâtes, donc, c'est des fusilis. Au départ, je voulais prendre des pâtes bouche, mais j'en ai pas trouvé à l'écrit. Donc, moi, j'ai pris des fusilis à qui trois couleurs parce que je trouve que ça fait beau. C'est juste pour ça. Vous pourriez aller juste avec des natures, juste de blé entier, juste aux épinards. Allez-y avec la forme de pâte que vous aimez. Donc, il faut une pâte quand même assez moyenne. Macaroni, rotini, les boucles, ça ferait en masse le travail. Même à la limite, ça ferait du spaghetti coupé ou des macaronis longs. Mais pour celle-ci, j'ai opté pour celle-là. Donc là, j'ai perdu ma pâte à mesurer, moi. Donc, je vais mesurer en même temps que vous, parce que c'est ça, un live pop-up, on cuisine en même temps. Donc, celle-ci, ça va donner plus pour 4 portions. D'accord?
Mais tu sais, ça se mange bien un lendemain. Là. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Là, je vais juste mesurer mes pâtes, puis après, je vais vous montrer tout le reste du bol. Bon, une, deux. Trois tasses de pâtes cuites. C'est à peu près un trois quarts de livre de pâtes, à peu près. Mais c'est pas grave si vous en avez trop de pâtes, comme l'a dit Catherine. Vous mettez, moi, si j'aime beaucoup l'huile à pesto. Je pense que c'est ma préférée. L'huile à pesto sur mes pâtes. J'ai l'impression de manger vraiment des pâtes pesto comme on a l'habitude de se faire avec un pesto déjà commercial. Tu mets du poulet, on peut mettre vraiment n'importe quelle protéine, c'est tout le temps bon. Fait que même s'il me reste des pâtes, je suis pas stressée tant tout avec ça. J'ai des enfants, fait que c'est sûr, ça va pas. Donc, trois tasses de pâtes de fusilli, pardon, je vais l'écrire. Trois tasses de pâtes, je vais vous montrer en plus le reste. Donc, trois tasses de pâtes. Ensuite, ici, poivron rouge, poivron vert. Donc, c'est à peu près un demi poivron rouge et un demi poivron vert. Que j'ajoute à la salade. Là, j'ai mis mes autres ingrédients. OK. Je ramène mon tout ici. Je vais juste me l'écrire avant que ma mémoire fasse défaut. Plus rouge. Ensuite, j'ai des tomates cerises. Fait que si vous n'avez dans votre jardin cet été, ça va être encore juste meilleur. Je me cherche encore comment tu les fous. Ça va. Oh non! Bon! Petit accro. Bon, je vais continuer avec deux tiers de tasse. C'est ça le live, hein? Deux tiers de tasse de tomates cerises, puis je vais rectifier à la fin si je trouve qu'il en manque. Deux tiers de tasse de tomates cerises. J'ai ici des olives Kalamata tranchées. Donc, ça aussi, je vais y aller pour faire une plus petite quantité. Ma demi-pâte est faite. Donc, je vais juste dégoûter un petit peu le jus en trop. Donc, et ça va moyen, c'est toi, là. Bon, on a un quart de tasse d'olive Kalamata. J'ai des petits bocconcini, donc un fromage qui n'a pas très, très un gros goût, mais je trouve la forme vraiment amusante. Puis ici, j'ai opté pour la version cocktail, parce que là, on a des bocconcini quand même assez gros, géants, j'ai envie de dire. On a des bocconcini à 8 unités, donc ils sont encore plus gros. On a les perles qui sont vraiment miniatures. Donc, moi, j'ai voulu y aller avec les cocktails qui sont la grosseur de tout ça. Ça paraît pas, là, mais ils sont vraiment pas si grosses que ça. Donc, je vais y aller. Je les coupe même pas. Vous pourriez les couper, là, mais je trouve que ça va faire plus beau quand ils vont être entiers comme ça. Donc, je vais y aller généreusement là-dessus. Une demi. En fait, je pense que je vais tout le mettre. Donc, c'est un paquet, c'est 200 grammes. Donc, 200 grammes de bocconcini. Ici, j'ai du salami. Ça pourrait être aussi vraiment du chorizo, mais je trouve que le salami, ça a un goût plus léger. Le chorizo, ça a vraiment un goût puissant. Puis, c'est pas nécessairement ça que je veux que ça goûte en premier. Fait que j'ai ici du salami que j'ai simplement coupé en deux. Un paquet, c'était de mémoire 200 grammes. Fait que je vais commencer par 100 grammes de salami. Ça me fait penser un peu à une espèce de salade de pâtes version pizza. T'sais, on a le fromage, on a la charcuterie, on va avoir du basilic, on va avoir des fines herbes. Donc, ça me fait penser un petit peu à ça. J'aurais pu même le couper un petit peu plus petit. Je pense que je vais le faire à l'instant tant qu'à y être. Ça. Également. Il y en a qui disent qu'ils ont plus de son. C'est peut-être juste moi qui ne parlais pas, qui était trop concentrée. Donc, je vais couper un petit morceau. Donc, un 100 g de salami. On t'entend bien. OK. Ça me rassure. Ça, comme ça. Je vais juste mélanger. Je vais vous le montrer après. Parce que là, on n'a pas fini encore. Il reste quelques trucs à ajouter là-dedans.
J'ai fait du basilic et du persil frais haché. Donc, je vais commencer par une cuillère à soupe de basilic et une cuillère à soupe de persil pour cette recette-ci. Et maintenant, c'est le temps de la vinaigrette. Là, j'ai cassé mon poivrier à terre. Ah, c'est ça qui est tombé. Bon, on savait pas. On pensait que c'était l'huile d'olive. Hey, t'imagines-tu, ça aurait été un peu plus triste. Oui. Mais là, j'ai plein de petits grains de poivre qui se promènent partout. Ça va être vraiment amusant à ramasser. Ça s'appelle du sarcasme. Bon, mais c'est ça. Donc, là, j'ai mis mon persil. Je vais juste me le noter. Persil et basilic. Et évidemment, parce que j'ai mis du basilic là-dedans, ça me fait penser italien. Je vais y aller avec deux sortes d'huile pour cette recette-ci. Donc, je vais y aller avec, pour commencer, une cuillère à soupe d'huile de basilic. Et on va y aller avec mon produit chouchou. Pour pesto. L'instant, pesto! Ça serait-tu pesto, par hasard? Oui! C'est drôle parce que tantôt, avant le live, avant que j'aille faire mon épicerie en fonction du webinaire, j'ai regardé mes produits Olive et Gourmandise, je me disais, OK, je vais sortir ça d'avance un peu, puis il restait ça. Fait que j'ai comme eu un petit moment de panique de, oh, j'espère qu'il y en a à l'épicerie. Fait qu'une cuillère à soupe d'huile de basilic, deux cuillères à soupe d'huile de pesto. Je vais mélanger, puis après, on va rectifier l'assaisonnement. Marco, il marque une belle petite recette. Bien, bonjour Sabrina, vous allez pouvoir, ce live va être, on l'a enregistré, puis il va être sur notre site internet. Donc, vous allez pouvoir aller continuer votre visionnement, Sabrina. Tantôt, au début non plus, j'ai pas dit comment rafraîchir la page. Au lieu de quitter, là, vous avez en haut à côté du titre de la page, application live webinaire, vous avez une genre de petite flèche en rond. C'est en cliquant là-dessus, si vous venez qu'à avoir un bug, que vous ne voyez plus, que l'image est gelée, le son, vous cliquez là-dessus. Ça fait juste rafraîchir au lieu de quitter et de revenir. Marco, avec son idée de sa petite brochette, hein, on voit ça des fois, petites tomates, bocconcini, on peut les mettre, quand on les façonne, quand on les assemble, on peut les mettre dans un, moi je fais ça, là, je les mets dans un plat de Pyrex, puis là je mets plein d'huile, puis là je les tourne pour qu'il y ait de l'huile partout. Donc, ça se mange super bien. Après, là, on se barre là, partout, mais c'est pas grave. On met ça dans notre assiette de présentation. Puis, on pourrait aussi y mettre un petit filet de balsamique à la figue. Figue, le balsamique foncé à la figue, il va très bien avec pesto, puis il va très bien avec basilic aussi. Mon Dieu, j'en ai pas! Ah, va te l'apporter. On se connaît. Oui. J'avais un bon de présentation. J'ai rien pété qui ne trouve pas. Fait que juste comme ça, là, mettons j'aurais eu du poivre dans la vraie vie, là, parce que là, je l'ai plus. J'aurais ajouté un petit peu de poivre. Mais juste comme ça, vous voyez, c'est super simple comme ingrédient. Pardon, c'est une belle salade de poivre qui peut se manger tiède comme froide. Moi, je l'aime beaucoup froide. Mais oui, on est habitué de manger froid avec des enfants ici. Mais vraiment, c'est une belle salade qui se mange très bien, tout en fraîcheur en même temps avec le basilic, le persil frais, du fromage, une petite charcuterie. Je pense que vous allez vraiment l'aimer. En toute grosse simplicité. C'est ça, un souper de semaine, là, ça se prépare bien. Comme vous voyez, ça a pris quelques minutes seulement. C'est sûr que j'avais déjà préparé mes ingrédients à la base. Mais ça se fait très, très, très rapidement. Je vais vous montrer, c'est vrai, hein? Je ne suis pas habituée de faire ça avec un ordinateur. Là, vous voyez mes dégâts en même temps, mais bon, ça, on le cache. Donc, je vais vous le montrer. Mais avant, je vais vous garnir un petit peu pour faire le petit cute. Je vais rajouter ici du persil. Ça pourrait être du basilic également. Je rajoute un peu de persil haché pour donner encore une petite fraîcheur. Comme ça. Et je vais y ajouter du. Et où j'allume okay. Du parmesan râpé très finement. Vous voyez, avec le craft, là, tu sais, on comprend. Je trouve que lui, il y a plus de. Donc, ça va venir vraiment rechercher le goût du parmesan qu'on peut retrouver
dans l'huile sans en avoir nécessairement, là, ça vient juste rechercher le goût. Donc, je garnis de tout ça un à la fois et je vous le montre en vrai. Donc, une belle, là, vous voyez pas bien, là, mais genre de prendre les photos pour c'est mieux voir, là, ce que j'ai fait, là. Mais une belle salade de pâtes, vraiment super simple, colorée, d'été, pour le pique-nique, pour le travail, pour recevoir. Quand on va pouvoir recommencer à se recevoir, on a tout le temps l'habitude d'amener toujours les mêmes salades de pâtes, donc salade de macaroni, salade de macaroni asiatique, on a tout le temps les mêmes recettes, donc ça, je trouve, ça fait vraiment différent. Ça fait une belle présentation aussi. Ça fait de la couleur, ça fait de la fraîcheur. Il y a du fromage, il y a de la charcuterie. C'est sûr que vous allez avoir des adeptes avec ça. Je n'ai pas mis, Martine, de balsamique parce que, mais si j'aurais eu le balsamique au fil, par exemple, j'en aurais peut-être mis un petit filet dessus en guise de présentation. Donc, vraiment, un petit filet, là, tout fin, là, pour vraiment faire un beau ouf de saveur. Mais c'est ça, je ne l'ai pas. Fait que Catherine a bien me créer des besoins. Je vais t'apporter ça. Je vais être encore en pyjama. Parce que moi, j'arrive puis je cogne puis je laisse mon petit sac. Catherine, essaye ça! Catherine, je t'ai apporté ça! Les enfants sont là en bobette puis ça crie. C'est vraiment, c'est très... C'est naturel! C'est la vraie vie, hein? C'est ça, c'est ça! Mais je vous le dis, il n'y a pas de terrain à vendre autour de chez nous. Là. Vous n'aurez pas toutes des bouteilles d'huile d'olive sur votre terrain. Vous vous dédiez à Saint-Georges pour ça. C'est ça, exact. Parfois aussi, si vous n'avez pas de point de vente dans votre région, on voit ça, hein, les gens, des fois, ils se regroupent. C'est 60 $ minimum pour avoir les frais de transport gratuits. Sinon, vous pouvez commander une bouteille quand même. Là. C'est sûr que là, ça revient un petit peu plus cher parce qu'on doit ajouter 10 $ de transport plus taxes, donc 11,50. Mais je vois souvent des gens au travail. Je livre, entre autres, dans une clinique dentaire la semaine dernière. Là. C'est pas juste la madame. Il n'y a pas juste une madame qui a acheté ça. Là. Ils se regroupent quelques fois par année, toutes les femmes ensemble qui travaillent, puis ils passent leur commande. Donc, ça vous fait une belle commande qui arrive au travail, puis vous la divisez après, puis vous évitez les frais de transport. Donc, c'est une chose qui est possible. Avec votre belle-sœur, votre ami, par exemple, vous pouvez regrouper votre commande. Puis, vous avez 10% de rabais. Puis là, en plus, là, vous allez avoir 10% de rabais. Je vous ai créé un code promo. On peut le remettre ici si vous voulez bien le voir. Là, c'est ROX10. Donc, c'est notre code promo. C'est drôle, Cathy. Catherine Simoneau a dit que la livraison, même pas à 24 heures. C'est vrai, il y a plusieurs de mes clientes qui ont commandé sur justement livrecommandise.com puis ils n'en revenaient pas. Ils n'en revenaient pas. Ils ont dit, ben voyons, j'ai commandé la veille puis j'étais déjà arrivée. Fait que ouais, vraiment, merci pour ce beau service-là que tu fais. Là, ça n'a même pas de sens. Moi, mes clientes capotent. Ben merci. On essaie le plus possible. C'est sûr que on traite votre commande très rapidement. On s'est encore mieux équipé, puis on avance toujours hein, dans le cheminement aussi là-dessus. Ouais. Puis on va. Mais quand ça part de chez nous, il vient le chercher. Mais là, des fois, j'ai plus le contrôle. Hein, c'est comme on dit là. Les femmes, des fois, ouais. On est contrôlantes. Là, mais là, je peux plus avoir le contrôle. Donc, je donne ça au bureau ou Poste Canada. Puis c'est parti. Donc. Et partout, c'est ça, parce que j'ai vu que José la demande si vous livrez. À Laval, mais tu livres partout au Québec. Ah oui, ah, je livre en Ontario, si parfois, en tout cas là, c'est un petit peu différent, mais je vous le dis quand même parce qu'il y en a des fois qui vont vouloir compléter un panier. Je suis sur Amazon aussi. Donc, vous achetez sur Amazon, fait que j'ai vu mes produits aller en Colombie-Britannique et je les ai vus aller comme très, très loin dans le nord du Québec. J'ai vraiment été impressionnée. Donc, c'est une belle possibilité aussi. Moi, je trouve que les faut pas, entre guillemets, là, moi aussi, en beau run, cracher ses autres. Là. Tu sais, je veux dire, Amazon fait grandir quand même plusieurs entreprises là, aussi. Ouais, oui, c'est sûr. Tu sais, fait que c'est une possibilité également de faire de la revente sur d'autres sites Internet comme ça. À Magog, j'ai pas grand-chose pour le moment. J'ai quelqu'un à Sherbrooke, mais c'est une boutique cétogène. J'ai beaucoup de boutiques cétogènes dans mes points de vente, keto. Parce que toutes les huiles sont keto, donc ils ont aucun glucide. Les balsamiques en ont un peu, mais pas les huiles. Donc les huiles, vous pouvez les consommer ceux qui font l'alimentation cétogène. Donc à Sherbrooke, j'ai quelqu'un option keto qui a une grande belle variété
d'huile d'olive, mais il n'y a pas du tout de balsamique à cause justement de sa tendance cétogène dans son magasin. Fait que j'en ai quelques-uns comme ça. Faut dire aussi que c'est difficile, hein? J'ai tellement de variétés. Puis là, il s'en vient des petits nouveaux encore. Dans le prochain mois, on va avoir des belles nouveautés. Ça nous stimule. Pour vous aussi, c'est intéressant. Puis nous autres aussi, ça nous intéresse énormément de rentrer des nouveautés. Puis, ils n'ont pas toutes les points de vente. T'sais, ils peuvent pas toutes tenir toutes les sortes. Oh, c'est impossible. Ça. Donc, tu sais, c'est pour ça que des fois, là... vous arrivez à un point de vente, je vous dis souvent là, quand quelqu'un m'écrit en privé, est-ce que ils ont telle sorte, ben faut vous vérifier absolument leur inventaire, faut vous les appeler. Peut-être qu'ils en ont plus, peut-être qu'ils l'ont pas cette sorte-là, qu'ils la tiennent pas. Donc c'est ça. Mais si vous leur demandez, les points de vente sont, les gens sont très aimables, puis ils vont le dire, tu sais, ils vont dire vraiment, ben ils vont le prendre en note. Ils peuvent même faire des commandes spéciales pour vous. Moi, j'en ai vu comme ça. J'ai été livrée chez Papillote avant que ça ferme, un Wall de 5 fois. Puis, il y a une dame qui avait demandé à la propriétaire ou à la gérante, « Moi, j'aimerais avoir tel produit. » Ben, ça prend un petit peu plus de temps, mais quand Papillote a passé sa commande, elle m'a demandé une bouteille de plus, puis je l'ai glissée, je l'ai donnée, puis la cliente a eu sa bouteille. Tu sais, c'est possible aussi. Là, il y a des commerces là, qui sont très, très accueillants et très ouverts sur ces choses-là. Oui, sur le site internet, vous allez voir qu'il y a des boîtes découvertes qui s'offrent bien en cadeau, parce que vous pouvez mettre l'adresse de quelqu'un d'autre aussi. Entre autres, on a eu beaucoup, là, on vient d'en faire beaucoup là, de juste avant le live, entre autres, là, on était en production puis en envoi là, par Puro, puis les gens pour livrer pour la fête des mères à une autre adresse. Oui. Donc, vous avez un coin là que vous pouvez cocher là, expédier à, vous cochez cette case puis vous entrez et vous avez même note. Dans la partie note, c'est le message que vous pouvez mettre pour à la personne chez qui vous envoyez le cadeau puis nous autres on lui transcrit sur une petite carte. Puis les boîtes découvertes, ben vous pouvez les monter. Nous autres on a fait des thèmes là qui fait quand même une belle variété d'huile et balsamique. L'huile est placée à côté du vinaigre balsamique parce qu'ils vont bien ensemble. Donc, je prends les barbecues, par exemple, chipotle est placé à côté de l'expresso dans la boîte barbecue parce qu'ils vont bien ensemble. Ça fait une très bonne marinade pour les steaks. Donc, puis on a mis abricot avec lime. Ça, c'est pour les poulets, le poulet ou les poissons. Donc, c'est des faciles, là, les boîtes qu'on a fait. Puis, on a fait différents thèmes. Mais si ça vous tente d'en essayer d'autres dans les boîtes découvertes, ben vous n'avez pas de problème. Vous choisissez la boîte personnalisée, soit la boîte de 4 ou la boîte de 6, puis vous ajoutez les sortes dedans. J'ai pas beaucoup d'endroits que je vous dirais qui ont les épices pour le moment. C'est nouveau, puis c'est beaucoup plus sur mon site internet. J'ai à Saint-Georges, au Jardin des Sages, qui ont les épices, mais à l'extérieur, là, je vais vous en annoncer un. Tiens, je vais vous faire une petite primeur pour vous autres. Vous êtes là, vous nous supportez, vous nous encouragez, puis c'est le fun de vous voir. Vous partagez ce beau moment-là avec nous. Je viens de livrer chez Duo Cuisine et Traiteur. OK? Duo Cuisine et Traiteur. Cherchez ça, là, c'est à Laval. Fait qu'on l'annonce là très bientôt. Elle doit être en train de déballer ses boîtes puis mettre ça sur ses tablettes. Fait que quelqu'un me parlait de Laval tantôt, là. J'ai ce point de vente-là à Laval. Donc, Roxane, il y en a qui te connaissent. Joanne, elle sait que c'est ton habitude de te ramasser dans la cuisine. C'est sûr qu'il y a une de mes clients parce que chaque fois que je fais un live, à un moment donné, je suis comme « Ok, attendez, je ramasse un peu, c'est trop le bordel, là. » C'est bien. C'est bien, c'est bon, c'est bon. Donc, on a pas mal passé à travers nous autres, ce qu'on avait à faire comme recette, hein? Je t'avais dit « on peut-tu faire 3 recettes? » Roxane a dit, Catherine Roxane a dit « Non, moi, je pense que ça n'arrivera pas. » Donc, tu as quand même pas mal d'expérience. Ben c'est à cause, on aurait pu, mais il faudrait se prendre plus d'avance. Des recettes, ça me dérange pas, ça me fait pas peur. Là, quand on fait des shootings photos pour en faire 6 dans la même journée. Mais c'est ça, tu sais, je me connais. Habituellement, quand je fais des lives, moi aussi, je parle beaucoup. Fait qu'on parle, le temps d'avoir cette connexion justement avec les clients. Fait que j'aime mieux avoir 2 recettes puis avoir plus de temps avec mes clients que d'être stressée à rentrer 3 recettes puis pas avoir cette connexion-là avec eux.
Tu as tout à fait raison. Je vois ici que quelqu'un envoie une commande en France, oui. Pour l'Union européenne, j'envoie, vous pouvez commander et rentrer l'adresse. Deux petites choses, c'est très dispendieux. Je vous dirais, là, moi, je fais pas d'argent du tout là sur les frais de transport, puis même j'en perds, là, c'est vraiment un mal nécessaire, comme on pourrait dire. Hein. Donc, en plus, c'est pesant, moi, c'est cassant. Faut que je mette du papier bulle, beaucoup. Fait que ça fait un plus gros contenant. Tu sais, c'est compté, là, à l'intérieur, là, les pouces carrés à l'intérieur. Donc, compter, là, un bon montant pour les frais de transport. De toute manière, ils sont marqués sur le site pour livrer en Europe. Et également, compter un mois de livraison. Parce ouais, que sinon, là, le prix, là, va doubler. On parle de 25 $ cost et plus. Moi, je charge 25 à peu près, là, selon le poids et la grosseur de la boîte. Mais si je veux aller un peu plus rapide que ça, ça me coûterait 50 $ et plus, même 75. Fait que, là, c'est impensable, là, tu sais. Donc, je prends ce qui est le plus abordable pour livrer en Europe, puis on parle de 4 semaines, donc un mois. Je pense que c'est Sabrina, ma fille, qui a peut-être répondu. Oui, Sabrina a répondu à José pour à Laval, notre nouveau point de vente qu'on va annoncer là dans les prochains jours, qui est duo cuisine et traiteur. Elle s'appelle Caroline, très très gentille. Excusez, c'est mon ordi qui a fait ça. Pas de problème. On serait peut-être prête à passer à notre concours. Oui. Ouais, à notre tirage. On va inviter Sabrina à se joindre à nous. Allô? Allez, salut, Sab. Merci beaucoup, Catherine, pour les belles recettes. Vraiment un bonheur. Oui, j'espère que tout le monde a bien aimé. On va vraiment faire un tirage à la bonne franquette avec un pot et des papiers parce qu'il n'y avait aucune autre façon de le faire. Fait que j'ai vraiment écrit les noms de tout le monde ici. Puis on va tirer, c'était 3, hein, Catherine? Oui, 3 magazines. Notre nouveau magazine qui sort en kiosque le 13 mai prochain, donc jeudi prochain. Il y a comme 950 points de vente. Fait que c'est sûr, vous voulez en avoir occupant dans votre ville. Puis pour ceux et celles qui sont là, donc on est combien là, on est 68, toutes les personnes qui étaient là, si vous voulez l'avoir en primeur, j'ai décidé de sortir sur un coup de tête peut-être 10 minutes avant le webinaire, écrivez-moi, je vais écrire l'adresse ici, soit sur ma page Facebook Catherine Roxane Veilleux, ou je vais mettre l'adresse tout de suite ici, puis je vais être en mesure de vous envoyer votre magazine en primeur avant sa sortie en kiosque et sur notre boutique en ligne. Si jamais il y a des gens qui sont impatientes comme moi. Sabrina, t'es restée dans la thématique avec un bol à salade? Oui! Oui, en effet! Mais il est tellement beau, je l'aime, mon bol à salade. Là, je vous présente ma fille, Marco, avec qui je suis allée à l'école, qui est venu à nos 3 webinaires. Ben, il connaît, moi, il m'a connue pas de bébé à l'âge de 14 ans. Ben là, tu m'envoies une grande fille, là! Puis ceux qui gagnent, qui vont gagner, veuillez écrire à Catherine aussi, à Catherine à maigrir-sans-fin.com, puis elle va pouvoir prendre vos informations puis vous envoyer ça. Exactement, exactement. Alors, j'y vais. Puis j'ai vraiment les noms avec lesquels vous êtes inscrits. Fait qu'il y en a que c'est des adresses courriel, il y en a que c'est des noms, j'ai pas des noms de famille, j'ai aussi d'où vous venez. Fait que je vais y aller avec les informations que j'ai présentement. Alors, je regarde ça. Fait qu'ils pourront inscrire dans le chat, par exemple, là, quand ils sont nommés, là, ils vont pouvoir Puis en même temps, on va savoir si vous êtes encore là. Alors, j'ai Marie-Ève de Saint-Anselme. J'écris vraiment mal. Marie-Ève de Saint-Anselme, peut-être nous écrire dans le chat pour voir si vous êtes encore là. Je vais tirer les autres en attendant. J'ai France de Montréal. Je pense qu'il y avait 2 France de Montréal. La mienne, les informations que j'ai aussi, là, je suis capable de savoir si vous êtes sur un cellulaire ou sur un ordinateur. La France de Montréal que j'aurais tirée serait sur un Mac. Alors, si vous vous reconnaissez, ce serait vous. Marie-Ève est là, en tout cas. Yes, Marie-Ève. Oui. Félicitations. Marie-Ève, écrire à moi.
Ah, France et Lucie, super. Félicitations, il m'en reste une. J'ai Varehu, Varehu de Saint-Agapit. Je sais pas moi non plus, hein. Chaque fois, je doute. Je sais pas s'il est muet ou non. Alors, je sais pas si c'est encore là. Je peux vérifier. Moi, j'avais les noms. Non, d'après moi, cette personne n'est plus là. Elle n'est plus dans les participants. Fait qu'on va en tirer une autre. Oh, mon Dieu, il fallait nous écouter jusqu'à la fin. Ouais. Il y en a qui ont des obligations, hein, c'est normal. On essaie toutes sortes d'heures, hein. On a fait un Je sais. matin, on a fait un peu plus tard en soirée. Tu sais, c'est difficile les journées. On Non. essaie, on a varié justement pour essayer de rejoindre le plus de monde possible. Alors, la dernière, Denise de Thetford. Alors, Ah, à Denise de Thetford, on a Thetford. les Halles de Thetford. Un beau point de vente au Hall de Thetford, une belle petite épicerie, puis sympathique. Je connais bien un des propriétaires, Jacques. Si vous avez des besoins à Thetford, il y a des produits là. Es-tu là, Alors, Denise? Denise de Thetford. Je suis pas sûre qu'elle est connectée non plus. OK, c'est en ordre alphabétique, là. Oui, exactement. Fait qu'on est capable de voir si les gens sont Hein? encore connectés. Dans les dés, j'ai plus grand monde. Non, hein? OK, on en fait un autre. Marie-Claude, on va attendre. On ne sait pas si c'est vous. J'ai Lynn de Dolbeau, États-Unis. Oui. Oh! Clara, moi je suis là! On n'est pas rendu à Clara encore. Lise. Lynn ou Lé? Lynn, Lynn de Dolbeau, Lynn. exposé d'être en ligne. J'en vois une Lynn de... Dolbeau, Lynn de Dolbeau est là. alors, Lynn, je sais pas si vous nous écoutez. Je n'en vois deux, une de Saint-Georges, une de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais moi, je connais tellement pas les coins Saint-Jean-sur-Richelieu puis Dolbeau. D'après moi, c'est pas la même place. Hein? Non, il y en a vraiment Lynn. une de Ah Dolbeau, ouais. exactement. Ouais, ça nous marque qu'elle est là. Je peux lui écrire en privé. Je vais essayer de lui écrire en privé. Une fois, deux fois, trois fois, perdu, Marco Bigri. Ouais, on va passer à un autre, sinon. Fais-en un autre. Un autre. Oui. Okay. D'ici ce temps-là, vous pouvez nous écrire des sujets, des questions. Qu'est-ce que vous aimeriez pour le prochain webinaire? Oui, Marie-Ève, excusez. Je suis pas habituée d'avoir un. Vas-y, Non, c'est à cause de ça, moi, je suis toute seule. Fait que là, en c'est à fait, toi. j'ai Ben comme. Marie-Ève, oui, tu m'écris. Marie-Ève, Roxane à commercial, maigrir sans fin.com. bon, la prochaine fois, j'ai des idées, des huiles à faire tirer. Ouais, on pourra faire ça. OK. Dernière, Nadia de Lévis. Ah, je l'ai vu tantôt. Nadia de Lévis. Nadia, est-ce qu'elle est là, Nadia? Yeah! Oui, bon, parfait. Super. Fait que t'as juste à m'écrire, Nadia. Alors, on a nos trois, Nadia, France et Marie-Ève. Super. On va avoir aussi, je vois, oui, des épices à faire tirer, puis des recettes pour. Là, on a parlé un peu de salade, donc on va continuer dans ces thèmes-là parce que c'est un peu l'alimentation vers lesquelles on va aller dans les prochains mois. On va regarder aussi pour avoir des recettes de marinade. Oui, on va parler plus. On va parler de barbecue. On va reparler de salade et on va parler de barbecue également.
Donc, restez à l'affût. Vous avez vu, si vous êtes inscrit à notre infolettre, bien, c'est sûr que vous avez les prochains webinaires. Il va en avoir un autre. Je suis en train de regarder. J'ai une autre personne à vous présenter, une autre collaboratrice. C'est de voir si elle est disponible. Elle était dans les réparations par-dessus la tête chez elle. Donc, aussitôt qu'elle est disponible, je fais un live avec elle. Fait que je vous reviens là-dessus. Je vais vous présenter cette personne sous peu. Puis, ben, je vous remercie encore une fois d'être avec nous, d'être aussi fidèle. On apprécie vraiment beaucoup. Puis, on prend vos suggestions en note. Et si des gens veulent communiquer avec nous pour avoir nos produits dans leur point de vente, qu'ils communiquent à info@olivegourmandise.com. Donc, ils peuvent aller sur notre site Internet, aller dans contact, nous joindre et nous écrire à info@commercialolivegourmandise.com. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, je vous souhaite une belle soirée. Puis, je pense qu'on s'en va papoter pour se faire une bonne salade. On a trouvé notre idée pour souper. Moi, il est déjà fait. Ouais, c'est ça. Non, t'as des gars à ramasser. Des enfants à aller chercher. Bon, ben merci beaucoup, Catherine, Roxane. Oui. Ça peut être un plaisir. Puis, à la prochaine, tout le monde. Merci beaucoup. Oui, bye-bye. Bye.